1.5 to stay alive, 1.5 to survive, donc 1.5 à moins 5 degrés maximum d'augmentation de température. L'objectif de cette activité, c'est de montrer que tous les professionnels de la santé en ce moment sont en train de réaliser à quel point est-ce que les changements climatiques impactent la santé et à quel point ils ne sont pas prêts à faire face à cette nouvelle crise climatique qui est une crise de santé. On est ici à la COP pour vraiment faire valoir notre message qu'on a besoin d'avoir des négociateurs et des décisions là, un objectif de 1.5 qui est gardé en vie parce qu'en ce moment, il y a des discussions pour l'enlever du programme et surtout de sortir des énergies fossiles qui sont la principale cause des réchauffements climatiques et de, toutes, et de tous les problèmes aussi de santé qui en découlent. 1.5 to survive. Que la crise climatique, c'est quelque chose qui en effet sur les ours polaires, sur les grenouilles, mais en réalité, c'est un problème de santé. Ça affecte toutes les personnes dans le monde. C'est un problème de l'humanité. Alors la santé fait la connexion entre la crise climatique et la personne, les peuples. Et nous, en tant que système de santé, en tant que professionnel de la santé, on n'est pas prêt à prendre en charge ces défis, on n'a pas l'entraînement et on n'a pas les capacités, que ce soit au niveau des ressources, que ce soit au niveau des infrastructures, que ce soit au niveau de l'éducation. C'est pour ça qu'on est là pour protéger. Avoir un objectif de 1,5 degrés, sinon, c'est sûr qu'on va continuer à avoir la mortalité, les maladies reliées à la crise climatique et même dans les circonstances plus pires, ça, on peut avoir l'éradication de la civilisation et on devrait éviter ça. La crise climatique est une crise de santé aussi parce que c'est une des premières, conséquences qu'on voit là aujourd'hui avec la pollution de l'air qui fait mourir plus de 6 millions de personnes quand même là quand on regarde les chiffres de l'OMS. In the Netherlands and my patient is dying of a heat stroke. I'm a medical student from the United States, and my patient's dying from zoonotic disease. I'm a medical student from Canada, and my patient is dying from air pollution. I'm a medical student from Australia, my patient's dying from wildfire. C'est le moment, c'est maintenant pour les chefs de faire ce qui est bon.